Fally Ipupa, entretien exclusif avant ses concerts légendaires au Stade des Martyrs de Kinshasa, août 2024. Bienvenue à Kinshasa, le cœur vibrant de la musique africaine où la légende Fally Ipupa brille. Dans une interview exclusive, Fally partage son excitation pour ses concerts au mythique Stade des Martyrs. Août 2024 sera inoubliable, promet-il, évoquant une fusion électrisante de rythme et d'harmonie. Il parle de son voyage musical, une quête pour connecter les générations à travers les mélodies. Et puis le Stade de France, le Stade de France 2025. Mais juste avant le Stade de France, on fait double Stade de Martyrs à Kinshasa. Double Stade des Martyrs, dans le mois d'août. Double Stade de Martyrs. Ouais. Et Fally Ipupa. Parce qu'au moment où tu es le Stade des Martyrs, ça dit tu es le 27, je pense, je crois, entre le 27 ou le 27 août, non, le 28 août. Je pense que sérénité, longévité, confiance, façon aussi renouvelée. Ça dit, je m'identifie à l'aigle. Et puis, moi, j'avais beaucoup lu sur l'aigle. Et puis un jour, un de mes amis d'enfance m'avait dit « Non, tu devrais quand même encore plus lire sur cet animal. » J'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup cette image. C'est très beau, c'est très beau. Donc on adopta aigle, ça veut dire… Parce qu'à l'époque, on avait dit « King » tout ça, banine. Je m'en ai dit « Est-ce qu'on a loin d'un King ?» On a l'impression « King » était. Même si on l'a dit dans la King. Ouais. On a dit « Chapeau ». King » est allé, hein. Oui. Et puis, il y a un couronnement. Il faut te designer en réalité. Donc, mais officiellement, aigle. Là. Aigle. Aigle. Aigle, Mobutu. Ça aussi, tu as accepté, Mobutu? Mobutu, on te va comment? On a un jet privé. On a mon côté, jet privé. On a un côté. En Afrique, artiste, on a jet privé. Balouar, là, on a. Balouar. Au loué, au lieu, air, coutu. Et les huyaux. J'aime pas là. On a un avion, t'es. Donc, ce même, dans mon morceau, ma jet privée, dans mon morceau, ma et puis, en Afrique, artiste et musicien, ma jet privée, azaté. J'ai même envie de dire que, même footballeur, même artiste, quand on politique, dans ma jet privée. Ok. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce que. Ouais, du pays, tu n'es plus retourné, mais tu es passé des productions en production chaque semaine. C'est quand même fatigant. T'es de retour, Fally. Comment tu te sens? Je me sens, heureux. Et, je suis très, très content de retrouver, le pays, la ville, les amis, la famille. Et voilà quoi. Je suis très très content là. Après 4 mois d'absence, c'est vrai que Kinshasa me manquait quand même. Et tu es de redire que Fally, et je veux que ça inspire beaucoup de jeunes. On vient de loin. Ouais. On vient de loin. Ouais. Et tu inspires loin. Beaucoup de jeunes parce que beaucoup de jeunes qui te regardent aujourd'hui peut-être ne savent pas d'où tu viens, mais je veux que tu partages cette expérience avec eux, que tu leur dises parce que je veux qu'il y ait des millions. J'espère qu'il y ait des millions d'autres Fally en République démocratique du Congo, chacun dans son domaine. Et si tu avais, Fally, un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais aux jeunes ou aux artistes, simplement d'avoir une vision, la détermination, le sérieux, l'envie de réussir et l'envie vraiment, le respect du travail. C'est-à-dire, il faut vraiment travailler, il faut aimer la musique. Bon, il faut aimer, justement, il faut juste aimer ce que vous faites, peu importe la discipline, c'est-à-dire que même si vous soyez sportif, artiste, musicien, peintre, si vous voulez faire la politique, il faut aimer ce que vous faites. Pas plus qu'un artiste, un phénomène, promet une expérience qui restera gravée dans les mémoires.